Salutations à nous tous, bienvenue et bon retour sur Channel Bon Mix TV, un channel qui est là pour aider à apprendre à mixer comme si c'est professionnel. Nous commençons à river dans la fin série là. Je dis à nous parler de overhead. Qui ça overhead là est? J'en capable garder sous écran là. C'est micro que on mettait qui suspendu sous tête batterie pour capable capturer son cymbale surtout. Mais on connaît à cause batterie son instrument qui vraiment joue fort. Li pas seulement prend feuille cymbale mais l'offre frappe snare, l'offre frappe kiko, li prend petit bagage là dedans quand même. Nous va montrer comment capable préparer track overhead ou l'a mixer. Yon batterie. Merci pour fidélité ou parce qu'on toujours vini brancher. Nous gon série de monde que n'a su sur channel là qui toujours là, qui toujours qui ton commentaire et nous va faire sûr que dans prochaine vidéo pour nous voyer big up pour monde ça parce que nous vraiment reconnaissant pour nous voir gen monde qui vraiment suivre nous à chaque vidéo nous lagui, yo apprécier ça, yo like, li, yo commenter et m'a demandé ou même qu'a regarder vidéo ça sous pour abonner, profiter faire ça pour capable aider communauté ça grandir et comme ça va toujours joindre vidéo ça qui permettre toi avancer dans domaine mixage. On nous commencer. Nous t'ai déjà fait un paquet de vidéos sur batterie, nous t'ai fait une vidéo générale sur comment on préparer track batterie et puis nous passer prendre kick, nous passer prendre snare, nous passer prendre tom, je dis à nous na overhead. Après overhead, n'a main hi-hat parce que hi-hat là dans track pour compte li et puis en dernier lieu, n'a pas le main room batterie. Après épisode ça, n'a gagné seulement 2 épisodes dans série batterie et puis après ça n'a préparé pour yon tutoriel qui parle parler de et batterie que ou sequence parce que ça c'est batterie live nous parle parler de batterie que ou sequence si ou sequence son batterie comment capable gérer n'a montre tout détail qui gagne donc red branché après nous fin avec série batterie à série batterie live là n'a rentrer dans batterie sequence red branché pour pas perdre ça en entrée entendez comment batterie nous a joué et puis nous parle entrer dans track overhead là pour nous capable faire travail qui nécessaire pour nous faire. OK. Donc batterie a joué belle, mais gen traitement qui rete pour faire toujours parce que nous avons gen track qui pour comment. Overhead nous boy ici, là nous t'ai fait premier épisode là, nous t'ai metté un petit et nous t'ai ouvert image stéréo, nous t'ai ouais ça déjà. Donc n'a quitté le comme ça et puis qu'on y a nous prend entrer dans EQ. Dans overhead ou c'est EQ qui plus important. Pour qui raison? Parce que dans overhead là, ça ou pral plus besoin yo, c'est feuille cymbale yo. Pour capable sonner belle nous pas pour le focus pour nous comme si trop prendre un signal snare ban nous tom yo ban nous avec kick là nous pas pour le focus sur yo parce que c'est sous question feuille cymbale nous pour le focus gien deux approches qu'on prend ça va dépendre de comment batterie là t'es sonné sur grand batterie pas sonner bien ou qu'a toujours utiliser overhead là pour capable à bien poli son kick là avec snare là avec tom yo ou qu'a j'ai une information là donne pour capable poli le plus bien. Mais cependant batterie ça que n'attendé là, il joue bien. On va pas prendre signal overhead là parce que overhead là il pas attaché sur aucun instrument, son bail qui suspendu. Donc c'est normal pour le prendre série de son, tout écho, toute réflexion qui gagne dans salle côté batterie ça t'est enregistré. Overhead là, il prend yo. C'est ça que fait nous pas utiliser un EQ pour nous capable pour nous capable filtrer tout vieux son que nous pas besoin yo et pas seulement vieux son tout parce que snare sorti la donne. Qui classe sorti la donne nous va solo pour capable tendre ça me dit là mais cependant moi pas besoin parce que batterie ça li sonne bien et me t'en fait bel traitement dans kick moi bel traitement dans snare bel traitement dans tom moi m'pa vle konya pour m'pa quitter tout signal ça toute fréquence ça pour pas empêcher et travail que moi vle gagner à la fin en nous solo overhead là ou attendre comment kick là avec snare l'autre ba yo répéter la donne. Donc autant des anti reflex snare anti reflex kick la donne. Dans première approche que me dit là, ou ka utiliser tout ti reflex fréquence ça pour capable faire son et bien, mais moi pas besoin dans cas ça, moi pral utiliser un EQ pour capable créer des filtres et puis pour nous capable retirer. On nous mette un EQ. Premier filtre n'a utiliser c'est un high pass filter ou bien un low cut filter, c'est-à-dire n'a retirer low yo pour kick là capable censé disparaître dans signal overhead là. En entendez? OK, dans zone ça là kick là censé disparaître.
snare anti crasse là toujours, mais cependant il pas fort et il pas pas déranger. Quand il y a là, l'aime fin fait high pass filter ça ou bien nous relais ça low cut filter. Qui ça me va le faire encore? Moi va le faire un balayage. Ça nous relais en anglais, un sweep. Nous va le faire sweep dans EQA pour nous voir est-ce que ça là gain quelque résonance que nous pas besoin dans mix noir. Et selon résonance que nous pour joindre n'a pour retirer et puis dernier barana fait nous va chercher fréquence qui gagne belti ayo pour nous raffiner son cymbale. En nous fait un balayage ou bien un sweep avec avec EQA pour nous voir est-ce que gagne quelque bagaille nous pas besoin là. On va priver plus loin que ça parce que signal IO c'est yo qui capturer son cymbale yo. Donc m'a prêté dans zone ça là m'a fait aller retour pour moi qui est là on pas besoin et puis pour nous capable filtrer yo mettre dehors. Donc dans tout ça m'tendé là, ça me plus par mer, c'est là que me joini dans zone 900 Hz. N'a descendu un peu et bien entendez pour nous comment ça sonne. Pas mal, nous joignons notre reflex snare qui pas déranger nous rien. Dernier bail nous était pour nous faire, ajouter fréquence high qui nécessaire pour son cymbale capable bien raffiner. Et après nous capable filtrer une fréquence dans air là qui est très utile. Qui fréquence li? Moi te dis nous, là nous t'a fait épisode EQ, moi te dis que dans zone 5 kHz à 7 kHz, c'est là qui conseille de fréquence que en anglais on les ça harsh, un bail qui vraiment tranchant, li en met dans nos oreilles. Donc n'a pas aller dans zone ça là pour nous voir est-ce que cymbale pas antigen dégoûtant dans zone ça entre 5 kHz à 7 kHz pour nous est-ce qu'on peut diminuer la donne. Une fois qu'une fin joint ça n'a diminué, n'a seulement ajouté entre 8 kHz à 12 13 kHz pour nous joindre petit raffinement que nous besoin et puis sortant de là toute bagaille a OK. On chercher pour nous entre 5 à 7 kHz si gain fréquence qui vraiment tranchant dans oreille nous pour nous retirer. Bon, pas gain trop qui dérangeant, mais cependant tout près 6000 Hz m'a font m'a font une réduction très gentille avec lui. 3 décibels environ. Et puis après n'a pas ajouté un petit high entre 8 à 13K. Nous ca font shelf boost pour lorsque nous lever pour tout ça derrière lever parce que tout derrière ça va bonne belle petite fréquence qui pour faire cymbale nous sonner très bien raffiné. OK, n'a quitté là pour le moment et puis nous pour retourner dans contexte mixage batterie pour nous voir qui différence qui gagne entre et nettoyage que nous fait là avec lorsque l'hypote ko gagne. N'a attendre là toute batterie à combien? OK, ça c'est avec lui, on nous fait main EQ à combien? Me senti lorsque EQ a été ouvert, moi te joindre plus présence dans feuille ride là. Ça va faire ting ting ting, me senti le vin plus raffiné. Quittez yo dans zone ça là ou bien OK, en nouvelle. Quittez yo là sous bouton ça là, bon ici, OK. M'a ouvert le fermer pendant la jouer pour capable voir différence là ensemble avec moi. Mettez casse dans oreille parce que l'on va pas apprendre mixer, faut apprendre tant des bagailles dans appareil qui fait pour ça parce que téléphone on va pas le bon tout détail. Mettez casse ou bien un speaker qui de qualité pour capable tant des différence là. En aller m'a ouvert fermer pendant que la jouer.
Donc à ouais différence, on vient beaucoup plus clair. On t'apprend côté crash la frappe après roulement seulement. OK? OK. Il ferme. Nous allons ouvrir. OK. Et pendant que n'attendait la lame senti crash qui frappe ya, li pa un crash qui vraiment aigu, li ka bénéficier yon ti cal boost dans zone 3 kHz. An nou gade pou nou si samedi a li même la fait sens parce que ride la gen tan bien sonné, même pou ko joine crash la dans façon que m'do joine, il y a un petit gens tout fait toujours. An gade pou nou. OK, tendez crash là, elle fait tendez ma pouvait ma fermer quand il a fermé tendez crash là ma pouvait la fermer. Donc c'est une série de petits changements qui très subtil mais cependant est très important, très important dans mix parce que tout petit détail compte. Dedi nous ça déjà mixage c'est faire un petit cal, à vérifier qui est fait cal là et faire sur tout mix là. S'il besoin plus ou à bali, mais pas j'aime commencer mixer et puis pour faire gros changement depuis au début parce que avant fini mixage ou bien perdu goût, la perdu sens. OK, ça c'était comment capable traiter overhead. Ou ka poser une question, est-ce que m'va le compresser? Non, m'va pas compresser. Pour qui raison m'va pas compresser? Lorsqu'on mette compresseur sous cymbalo sous crash ou en pile fois li konn fèl vinn pason naturel. Selon façon compresseur lui-même li attaquer avec le lagel, li konn vinn fè et crash ou vinn pas développer jan que l'ta doit développer. Ou ka jouer dans volume fader là pour mettre le dans niveau qui nécessaire. OK, si ou ta vle compresser, moins vle conseiller pas compresser plus que 2 décibels, pas faire plus que ça dans réduction parce que crash ou doit libre, il doit sonner libre. Une fois qu'on va retirer 4 5 6 décibels, li gen tan pas naturel encore. OK, donc nous ka mettons légère compression entre 2 décibels à 2.5 décibels environ, mais pas faire gros compression sous crash. OK, bon moi qui OK, parce que le compresseur le tout va lever son l'autre partie qui dans batterie. Regardez comment snare lui même il présent dans track overhead là. Donc si m'va le compresser, imagine on te prend temps pour compresser track snare déjà et m'va l'ajouter un l'autre signal qui gon snare là-dedans qui compresser encore. Donc fais attention avec compression sur overhead non. Pas faire compression qui vraiment pesé. OK? Donc ça c'était overhead et ou bien track crash yo, cymbal yo, fait cymbal yo comme on ka traiter yo. Li facile et le simple. OK? Moi dis merci parce que t'as suivi. Merci pour fidélité encore. Partagez là on l'autre qu'on est cap bénéficier. Abonnez, quittez question yo, n'a content pour nous répondre yo. Et chaque fois poser nous une question tout peut-être que nous pas jamais pensé à ça, li pousser nous à faire recherche pour nous capable répondre nous vinn plus fort et ou même tout, ou vinn joindre un bagage qu'on t'a cherché. Merci beaucoup et n'a retourner pour épisode I Hat là. Et puis après I Hat n'a prend track room là, m'a expliqué nous tout ça oui. Et puis après épisode ça, après série ça, nous va l'entrer dans batterie qui sequence, comment nous ca gérer batterie qui sequence. Merci, n'a prend encore. Ciao.